Salut à tous. J'ai pas mal réfléchi avant de poster ça ici. Je me suis d'abord dit qu'on allait me prendre pour un fou ou un menteur. Et puis au final, je me suis dit que ça valait le coup de tenter. J'ai besoin de votre avis sur un truc que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Cet été, je suis allé voir ma grand-mère en Grèce, en Thousa, près d'Athènes. Je suis né là-bas et j'y ai grandi jusqu'à 6 ans. Je revisitais les lieux de mon enfance et je me suis dit que j'irais bien voir ce qu'est devenue l'école dans laquelle j'étais. C'était une école franco-grecque, peut-être même que vous la connaissez. Le lycée franco-hellénique, qui s'appelle maintenant le lycée franco-hellénique Eugène de la Croix. J'y suis allé de 3 à 6 ans, soit entre 1994 et 1997. Et ça a bien changé. Les anciens bâtiments sont toujours là, mais ils ont changé de fonction. La salle d'art des collégiens est devenue une salle informatique, l'infirmerie a été reconstruite plus loin. J'ai pas croisé mes anciennes maîtresses, elles doivent être assez vieilles maintenant. Mais j'ai discuté avec une prof française assez mignonne. Je lui ai dit que j'étais un ancien élève, que je vivais en France et que j'étais dessinateur. Suite à ça, elle m'a proposé de jeter un œil dans les archives pour voir s'il restait des photos de classe de l'époque. J'étais pas vraiment enthousiaste à l'idée de revoir ma tête de 1994, mais on a quand même cherché dans des cartons poussiéreux pendant une heure. Et c'est là que c'est devenu bizarre. On a retrouvé pas mal de dessins de mon époque, tous classés par date. La plupart sont normaux, mais certains sont plus ou moins étranges. Sur cela, on a des dessins d'enfants, tout ce qu'il y a de plus classique, maison, parents, chiens, oiseaux, etc. Mais il y a un personnage en plus à chaque fois. Une sorte de bonhomme noir, sans bras la plupart du temps. Il a de grands yeux rouges, et parfois une bouche rouge elle aussi. Il a toujours une paire de cornes ou des antennes, et a l'air d'être très grand. Et je parle pas d'un ou deux dessins bizarres, je parle de 47 dessins en tout. 47 enfants d'âge et de classes différents ont dessiné le même personnage. Et dans le tas, il y avait un des miens. Je vais pas poster les 47 dessins, je ne posterai que ceux qui m'ont le plus marqué. Le plus troublant, c'est que les 47 dessins ont tous été faits dans la même période, soit du 10 au 18 octobre 1995. J'ai aucun souvenir d'avoir dessiné ça, et j'ai plus aucun contact avec mes camarades de l'époque. J'ai montré les dessins à mes parents et ils m'ont dit qu'il y a 20 ans, tous les gosses de l'école se sont mis à dessiner ça. Tous en même temps, sans même en avoir parlé avant. L'école avait organisé une réunion avec les profs, pour les mettre en garde sur l'influence de la télé sur les enfants. C'est la seule explication qu'ils avaient trouvée. Seulement à l'époque j'avais pas le droit de regarder la télé. Par la suite, la police a organisé des rondes autour de l'école pendant un mois. Ils croyaient que quelqu'un s'amusait à effrayer les enfants, ou pire, qu'un pervers rôde dans les environs. Mais ils n'ont rien trouvé. Mes parents m'ont ensuite dit que c'est parti aussi vite que c'est arrivé. Du jour au lendemain, les gosses ont arrêté de dessiner cette chose. Personne n'a jamais su ce qui avait pu nous influencer de la sorte, tous en même temps. Ma grand-mère, quant à elle, m'a dit qu'une nuit j'avais dit avoir vu un Mavro Diavolo dehors. Littéralement ça veut dire diable noir. J'ai cherché sur internet, j'ai rien trouvé. C'est pas une créature mythologique, ni un monstre créé pour faire peur aux enfants. Au final, je n'ai aucune piste, aucune idée de ce que cette chose peut être. Je ne saurais l'expliquer, mais quand j'ai vu les dessins, j'ai ressenti une sensation de peur très forte. J'ai une petite boule dans le ventre quand j'en parle, mais je ne vois pas d'où ça vient. J'espère que vous ne me prendrez pas pour un fou ou un menteur. J'aimerais savoir si vous avez déjà vu ou entendu parler de cas similaires, ou tout simplement si vous avez des hypothèses sur ce qu'il s'est passé.